Horoscope Scorpion du 26 avril 2023. Bonjour. Voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. Vénus va influencer favorablement vos secteurs d'amour. Elle vous aidera à resserrer les liens fort tendres avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos rapports avec l'autre sexe seront teintés de romantisme. Vous aurez toutes les chances, ou malchances, de tomber amoureux. Les rencontres seront agréables, mais il y aura peu de chances qu'elles se termineront par le mariage. Horoscope argent. Avec l'influence de plusieurs astres bienveillants, pensez, cette fois, à faire des placements. Faites-vous conseiller. Vous pourriez trouver une nouvelle source de revenus. Cela est même susceptible de bouleverser radicalement mais heureusement votre situation matérielle présente. Horoscope santé. L'ambiance astrale vous incitera aujourd'hui à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu'ils soient d'ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Vous constaterez que esperluette côte. Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit esperluette côte. Gigi. Rousseau. Puisque vous ne pouvez en aucun cas vous passer de votre corps, mieux vaudra en faire un allié qu'une charge, en lui donnant une santé robuste. Vous saurez maintenant ce qui vous reste à faire. Horoscope travail. Vous serez débarrassé de l'impact déstabilisant de Neptune. Vous aurez donc beaucoup moins de mal à gérer votre vie professionnelle. Certes, il pourrait y avoir des bouleversements imprévus dans votre travail, mais vous saurez mieux y faire face. Horoscope famille. Soyez très diplomate avec votre famille. Ce n'est justement pas parce que c'est votre famille que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. Si vous prononcez des paroles maladroites, vos proches ne les oublieront pas. Horoscope vie sociale. Avec Mars pour animer votre secteur vie amicale, à vous les activités à partager avec vos copains, sport, cinéma, et pourquoi pas une escapade si le cœur vous en dit ?